faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Les choses de Boto, les filles de Boto, les fils de Boto lui tiennent véritablement à cœur. Quand il s'agit d'aller au-delà de la commune pour les assister, il est bien là. Merci une fois de plus au maire de Boto d'avoir effectué le déplacement. Nous assistons maintenant à l'arrivée de celui-là même qui, d'un moment ou l'autre, sera Nanan. Nanan Kwame Kofi Ernest, qui sera alors le chef safricain de tous les ressortissants de Boto. Parce que nous allons assister d'un moment ou l'autre à son électronisation. Parce que le peuple de Saint-Clair ici à Saint-Foy a soif d'être dirigé, a soif d'une chefferie, a soif d'une organisation hiérarchique. Et cette hiérarchisation porte d'abord par l'intronisation de son chef. Après 2 ans de tractation, celui qui a été désigné et qui devant les officiels, devant les parents et amis, devant ses collègues chefs, devant les présidents d'association et devant la population constituant les communes, sera désigné comme chef de Safikan. Zingé Taou, Goulié Goulou, Kagou Touba, Nifon. Vous êtes chef de tribu. Vous êtes natif d'une zone là. Saint-Fra. Vous êtes chef de terre. Aujourd'hui, mon fils est venu à Saint-Fra. Il a travaillé, il est maintenant à la retraite. Ses frères lui ont fait confiance et ils se sont rencontrés, ils ont discuté, ils ont dit que c'est lui qui peut être leur chef. Aujourd'hui, on vient de l'asseoir sur la chaise des chefs. Monsieur le représentant du chef canton, je vous confie mon fils. Veillez sur lui comme vous l'avez fait auparavant. Donc à partir d'aujourd'hui, il est chef. Je vous le confie. Merci. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire d'ovationner très très fort le nouveau chef Tatikan. Merci. Monsieur le préfet, et par la cérémonie, le chef représentant Nana Toto Kratoua vient solennellement de me confier le chef Kwame, sinon Nana Kwame, chef des Saticlans résidant à Saint-Fa. Je voudrais vous dire et dire à tous que Saint-Fra est une terre d'hospitalité, est une terre accueillante, est une terre qui abrite tout le monde. J'appelle tout le monde. Toute la communauté. Monsieur le chef, en tant que premier responsable des chefs coutumiers du département de Saint-Fra, je voudrais vous dire que j'accepte que Nana Kwame fasse partie des chefs de communauté du département de Saint-Fra.
Je voudrais profiter pour dire à tous et à tous les chefs de communauté de vivants à Saint-François qu'ils sont des chefs. Mais ils ne sont pas des chefs autonomes, c'est-à-dire des chefs qui se disent que je suis chef de communauté bété, chef de... Le Nana Kwame, chef de Satiklan. Je pense que notre cercle, le cercle des chefs de communauté s'agrandit. À notre tour, nous vous le confions, nous voulons que vous le sachiez et que à lui, nous souhaitons plein succès dans tout ce qu'il va entreprendre, plein succès dans ses travaux et tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, je ne comprends pas le baoulé, mais je pense que le chef lui a demandé certainement, est-ce qu'il dira la vérité? Est-ce qu'il sera impartial? Oui, je pense qu'il sera impartial. Je vous remercie. Pour l'instant, la cérémonie se poursuit. Pour l'année 2020, trois vœux que je considère essentiels, il s'agit de la santé, il s'agit de la paix. Sans la santé et sans la paix, rien ne peut se faire dans ce monde. Et c'est pour ça que pour moi, ces deux vœux sont essentiels. Quand vous avez la santé et vous avez la paix, il y a un troisième vœu que je voudrais vous souhaiter. C'est le vœu du courage. Vous avez la santé. Vous avez la paix. Mais si vous n'avez pas de courage, ça aussi, c'est un problème. Et c'est pour ça que je considère que ces trois vœux sont essentiels, tout en disant que les autres vœux ont été déjà souhaités par les autres. Je pense, sincèrement, que vous avez vécu ici en très bonne intelligence. Sinon, vivre pendant 200 ans, vivre pendant 100 ans, vivre pendant 50 ans, et puis un jour, décider de choisir un chef parmi vous. Ça aussi, je voudrais vous féliciter pour ce courage, pour cette sagesse. Pour mes parents de Botro, je pense qu'en choisissant votre frère, votre père, votre fils, votre grand-père, vous avez bien réfléchi. Que vous avez découvert. Yves
Ivoire TV.